En 1884, quand le préfet Poubelle obligea les Parisiens à déposer leurs ordures dans des récipients spéciaux, les poubelles, on ne pouvait imaginer que la problématique des déchets prendrait une telle ampleur. Le développement de notre société de consommation a considérablement fait augmenter les volumes, multipliant les matières et leur dangerosité. Nous savons que ce phénomène présente des risques pour l'environnement et la santé humaine. C'est pourquoi les règles de collecte et de traitement des déchets sont aujourd'hui si contraignantes et engendrent des coûts de plus en plus importants. Le Covaldem 11 s'inscrit dans un projet d'avenir en mettant l'accent sur l'économie circulaire en accord avec le Plan national de prévention des déchets 2014-2025. Établi par le ministère chargé de l'Environnement, ce plan fixe les objectifs et les orientations des politiques de réduction des déchets. Dans un esprit de développement durable, le Covaldem 11 organise des campagnes de sensibilisation et de communication, incitant une participation active des citoyens. Le but est de maîtriser les coûts, mais au-delà de l'aspect financier, c'est diminuer les impacts sur notre environnement.